I will now turn to the European Parliament and ask Mr. Younous Omarjee to take the floor. He's the chairman of the Committee on Regional Development. Mr. Omarjee, can you please click raise your hand? Yes, I understand. There we are. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Permettez-moi de saluer tout d'abord la commissaire Elisa Ferreira, ainsi que mesdames et messieurs les ministres, le président du Comité économique et social européen, le président du COR, les présidents des exécutifs régionaux et mes collègues parlementaires européens. Ce forum pour les rues, je le sais, est un moment important pour l'ensemble des acteurs des rues parce qu'il est un espace, un instant de dialogue et d'échange avec la Commission européenne, mais aussi, dans une certaine mesure, avec le Parlement européen, que j'ai l'honneur de représenter dans ce panel, et avec le Conseil, qui est ici présent, et qui est représenté par le gouvernement allemand, qui s'exprimera après moi, au nom de la présidence du Conseil. À chaque forum des rues, c'est toujours un plaisir pour nous que d'être présents, mais nous ne sommes jamais venus dans cet espace d'échange pour mâcher nos mots. Nous avons toujours voulu faire de cet espace un espace de dialogue amical, mais aussi un espace de dialogue franc et sincère, en posant les problèmes tels qu'ils se posent devant nous. J'ai bien entendu les discours de chaque président des régions ultra-périphériques. Et je veux dire que dans chacun des discours qui a été prononcé, je me reconnais. Et je reconnais les positions qui sont celles, en réalité, du Parlement européen. Parce que, depuis toujours, il y a une convergence très forte entre les positions exprimées par la conférence des présidents des RUP et les positions défendues par le Parlement européen. Et vous savez que le Parlement européen a souvent, très souvent été le théâtre des nouvelles avancées pour les RUP. Et nous en avons fait la démonstration récemment, avec un sentiment d'urgence et de gravité dans les premières réponses que nous avons apportées avec la Commission européenne et le Conseil européen, les premières réponses à la crise du Covid. Je n'y reviendrai pas. Les présidents des exécutifs régionaux ont dit combien cette crise du Covid avait des impacts majeurs dans les territoires déjà fragilisés, qui sont celles des régions ultra-périphériques. Et j'espère, et je suis sûr, que les mesures CRI et CRI Plus ont été utiles pour faire face à l'urgence. Et nous agissons actuellement à l'intérieur des négociations, et en particulier à l'intérieur de la négociation REACT-EU, pour que les réponses supplémentaires puissent venir aider l'ensemble des régions des ultra-périphériques et l'ensemble des secteurs fragilisés par la crise. J'y reviendrai plus tard. Nous avons commencé tout de même notre législature sous un signe très fort, puisque la semaine dernière même, au Parlement européen, nous avons adopté trois textes législatifs pour les RUP concernant deux régimes de taxation spécifiques aux fins de protection de la production locale, ainsi qu'un texte concernant le régime de taxation du rhum. Ces trois textes ont été adoptés et je veux attirer l'attention des présidents sur le vote massif qui a été celui du Parlement européen, sans précédent, puisque ces votes ont été obtenus à la quasi-unanimité, 680 voix pour. Cela n'était jamais arrivé auparavant,
et nous devons y voir un signal très positif du soutien très très massif, très très fort, très appuyé du Parlement européen aux côtés des régions ultra-périphériques. Et nous le voyons d'ailleurs dans l'ensemble des commissions, dans l'ensemble des négociations, en particulier dans la commission du développement régional, où, s'agissant par exemple du fonds de transition juste, nous avons obtenu que 1% de ce fonds soit en additionnalité sécurisé pour les régions ultra-périphériques. C'est une avancée importante, nous en sommes très satisfaits, et je demande aujourd'hui aux représentants des gouvernements espagnols, français, portugais, de militer auprès du Conseil pour que dans le trilogue sur le GTF, cette position soit également défendue par le Conseil, étant convaincu bien sûr que la Commission nous soutiendra également. Nous pouvons également, dans ce forum, qui est un moment où nous devons faire un temps de pause pour voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ainsi que de dégager les perspectives, jeter un regard sur la législature précédente et faire le constat qu'il y a eu, dans le travail concerté entre le Parlement européen et la Commission européenne, un certain nombre d'avancées qui ont été acquises, puisque des dispositions spécifiques sont désormais ouvertes dans 21 programmes de l'Union. Et cela traduit en réalité les demandes qui ont été appuyées dans divers rapports du Parlement européen, ainsi que dans les différents mémorandums des présidents des RUP. Et je veux saluer le rôle important, éminent, qui a été pris par Corina Cretu, son cabinet et l'ensemble de l'unité RUP, que je salue pour la concrétisation de l'ensemble de ces avancées. Mais de toutes ces mesures, il est encore trop tôt en réalité pour tirer un bilan concret et mesurable, et nous le voyons bien d'ailleurs dans le débat qui a eu lieu sur la question de la pêche, où effectivement nous avons obtenu cette autorisation pour le renouvellement des flottes, mais nous voyons combien la mise en œuvre aujourd'hui de cette décision est bien compliquée, et c'est sur ces obstacles-là qu'il faut continuer à agir. Mais vous pouvez compter sur la commission Régie pour faire ce travail tout au long de la législature. Et bien évidemment, nous comptons sur Elisa Ferreira, que nous savons être pleinement engagée en faveur des régions ultra-périphériques. Cela étant dit, je tiens à dire également combien je désapprouve la proposition de baisse du POSEI qui a été faite par deux reprises par l'ancien commissaire Phil Hogan. Et cela contrairement aux engagements qui avaient été pris à Cayenne en 2017 par le président Juncker pour la Commission européenne, puis par le commissaire Phil Hogan lui-même à Bruxelles en juin 2018. La manière dont tout cela a été fait ne crée pas de la confiance entre les acteurs des RUP, entre le Parlement européen, avec la Commission européenne, et cela est fort regrettable. Car lorsqu'un engagement est pris au nom de la Commission, il doit être tenu. Et c'est là la base d'un partenariat franc et honnête que de respecter la parole prise et non pas de faire comme cela a été fait par des petits coups en douce dans le dos des partenaires. Le Parlement européen, vous le savez, a rectifié le tir en adoptant une proposition de maintien du budget du POSEI. Le commissaire à l'agriculture, et je m'en satisfais,
est revenu sur la proposition de baisse faite par la Commission européenne et s'est engagé à ne pas faire obstacle à un accord entre le Parlement européen et le Conseil, tant mieux. J'attends à présent de Madame la ministre allemande Bettina Hagedorn des engagements clairs pour un accord du Conseil sur le maintien du budget posé. Au-delà de la politique agricole, nous devons dire qu'il en a été de même pour les modifications que la Commission européenne a voulu ou veut encore apporter à certaines dérogations dont bénéficient les RUP. Et je pense ici en particulier à la manière dont fonctionne l'allocation spécifique surcoût. Je suis assez étonné que la Commission ait voulu de manière précipitée apporter des modifications, mais je suis heureux que nous ayons pu trouver un accord dans le trilogue pour le maintien du système en vigueur pour la prochaine programmation. Mais plutôt que de prévoir sans préparer, de manière concertée et consensuelle, longtemps à l'avance avec l'ensemble des acteurs des RUP, plutôt que de faire ce travail de partenariat, eh bien, il a été préféré des tentatives rapides. C'est ces méthodes-là qu'il faut changer et nous devons à présent nous mettre au travail pour réformer ce qui doit l'être sur le long terme. Voilà les conditions d'un bon partenariat. Et voilà les principes sur lesquels l'avenir du partenariat Commission-RUP doit reposer. Dialogue, concertation et respect des engagements pris. La Commission européenne dit souhaiter une nouvelle gouvernance fondée sur un partenariat solide. Cela est en effet une condition sine qua non que de respecter les engagements qui sont pris auprès de tous. Un partenariat et un dialogue impliquent aussi, de la part de tous, une grande écoute. Et parfois, les RUP ont l'impression de ne pas être écoutés à la hauteur des incessantes affirmations de leurs difficultés et de ne pas être entendus. Parce que nous avons eu une série de forums des rues. Et toujours, ce sont les mêmes problèmes qui sont posés. Toujours, la situation, malheureusement, continue de s'aggraver dans les régions. Et trop souvent, les évolutions que nous attendons tardent à venir. Et c'est le cas, par exemple, pour, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour les accords de libre-échange, les accords de commerce, où la Commission européenne se félicite de son côté, dans son bilan, des études d'incidence qu'elle a pu réaliser. Mais les RUP, elles, répètent depuis des années que ces études sont tout à fait partiales et idéologiques. Et pour ces mêmes accords, la Commission européenne se félicite également d'obtenir des clauses de sauvegarde quand nous savons que dans la pratique, chaque fois que la clause aurait pu être déclenchée, rien n'est fait et la Commission européenne laisse couler et ses accords et ses clauses de sauvegarde, en réalité, n'ont aucune forme d'utilité pratique. Car jamais, jusqu'à maintenant, une clause de sauvegarde a été activée. Donc, quand des engagements sont pris, là encore, ils doivent être pleinement respectés. Cela étant rappelé, l'avenir est devant nous. Et nous avons à présent toute une législature pour faire bouger les choses et agir pour les RUP dans un contexte qui est marqué par la crise du Covid et la fragilisation de l'ensemble des secteurs et l'aggravation en réalité des fractures
territoriale. Vous savez que nous sommes engagés actuellement dans une série de négociations qui vont engager l'avenir des régions ultrapériphériques pour les 10 ans à venir. Nous avons ouvert les trilogues concernant le RPDC, le règlement portant dispositions communes. Nous sommes dans la négociation concernant le FEDER. Nous sommes dans la négociation concernant Interreg. La négociation concernant le JTF est ouverte, ainsi que React-EU. Et parallèlement, le Parlement européen est dans une discussion, une négociation sur le MFF ainsi que sur le fonds de relance. Ce que je peux vous dire à ce stade, sans trahir le secret des négociations, c'est d'abord que nous nous satisfaisons concernant les rues d'un certain nombre de décisions qui ont été prises par les chefs d'État lors du Conseil européen du mois de juillet. Et les annonces qui ont été faites, notamment concernant les taux de cofinancement ou l'enveloppe compensation surcoût, vont dans le bon sens et rejoignent les positions du Parlement européen. Et globalement, dans les négociations, aussi bien concernant le CPR que concernant le FEDER, je peux vous dire que les intérêts des rues ont été défendus et que globalement, même très largement, les demandes qui ont été formulées par les présidents des rues seront satisfaites. Je veux également vous dire que dans un bon travail de concertation avec la Commission européenne, il y a dans React-EU la sécurisation d'une enveloppe pour les régions ultra-périphériques, ce qui est une bonne nouvelle et tout à fait nécessaire. Mais je veux attirer l'attention des États, qu'aussi bien concernant les React-EU, mais surtout concernant le fonds de relance, les principes de la cohésion doivent être sauvegardés. Et que dans les choix que les gouvernements auront à faire pour la répartition des enveloppes, ils devront faire en sorte que la préoccupation fondamentale qui est celle de la politique régionale, à savoir de venir d'abord en aide aux régions les moins développées, doit se retrouver dans les principes qui seront mis en œuvre pour le fonds de relance ainsi que pour React-EU. Car nous devons faire très attention à ce que ces moyens nouveaux qui sont mis sur la table, plutôt que de réduire les disparités régionales, ne viennent à la fin aggraver les fractures territoriales. Mais nous avons des instruments nouveaux, des moyens additionnels, et nous devons les saisir pleinement pour venir en aide aux régions. Je veux dire, pour conclure, que le Parlement européen est également engagé dans la bataille, dans la négociation sur le MFF, parce que les coupes budgétaires sont nombreuses et auront de multiples impacts. Si nous pouvons considérer que nous avons été d'une certaine manière épargnés concernant le FEDER, il n'en est rien concernant le FSE, et cela aura des conséquences concrètes pour le maintien à niveau des efforts qui sont réalisés pour la formation professionnelle. Il y a des coupes également, elles sont importantes, concernant les fonds pour la pêche. Et cela ne sera pas sans conséquence pour nos régions qui sont sur ce chemin de la construction de véritables filières de pêche. Bref, soyez assurés que nous sommes à vos côtés. Nous sommes à vos côtés pour la conservation des acquis. C'est extrêmement important pour la reconnaissance pleine et entière de l'article 349, mais aussi, autant que possible, dans un contexte qui malheureusement est très peu dynamique, mais autant que possible,
pour la conquête de nouvelles avancées pour les RUP, pour les permettre d'aller vers cet objectif de transition énergétique, vers cette nouvelle économie verte et bleue qui est et qui sera l'avenir pour les régions ultra-périphériques. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Omarjee.